Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre let's play sur Breath of the Wild. La dernière fois on a été chez Poisson et là bah maintenant bah c'est la suite. Ouais je sais c'est pas le bon bonnet mais je fais ce que je veux. Est-ce qu'on essaierait pas d'aller par là tiens, à tout hasard? Juste comme ça. Moi je trouve que si, ça peut être une bonne idée. Oh, il y a un glaçon. Voilà, c'est tout. Oh, il y a un sanctuaire même. Oh la flemme, hein. La flemme. Allez on y va. Du coup là va falloir marcher tout ça là, c'est ça? Let's go, wahoo, tata. Ah, je viens de me rendre compte, j'ai même pas pris le coffre que le monsieur il m'avait donné. Que le roi là, le gros roi poisson. Tant pis, on n'aura pas le coffre. Ah, je loupe tout. Je loupe les coffres, les statues. J'oublie tout. J'en veux pas de toute façon. Elle est morte l'autre poisson là. Alors qu'est-ce que je m'en bats les couilles? Ah, c'est, il est bleu. Il m'a vu, hein. J'ai pas les armes pour le battre, hein, je crois pas. Je sais qu'il m'a vu en plus. Tout ce qu'il attend, c'est de pouvoir sortir son arc. Son arc à la con là. Je sais que tu m'as vu, connard. Eh, je suis pas fou, je l'ai vu le point d'exclamation. Hein. C'est sa gueule si tu veux, tiens. Ça te fera les pieds. Mais j'ai couru, mais bon, laisse tomber. Il est coincé dans les cailloux, Link. Comment tu sais qu'il y a un arc à trois flèches? Parce que les Inels, ils ont des arcs avec trois flèches et tout. Mais je vais... Range ton arc, connard. Range ton arc, connard. Mais fils de pute, j'étais à côté, là. Ouais, let's go. Regarde, je suis ici. On t'a massu, mon ref. Ah, bah par contre, j'ai plus d'endurance. Hein. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux te battre, c'est ça? Ah, oh, mais j'ai oublié qu'il faisait des tournades. Écoute, moi je m'en rappelle plus de tes attaques là, ça fait longtemps. Et qu'est-ce que tu fais une toupie Beyblade déjà? T'as cru qu'on était dans Metal Fusion, c'est ça? Oh là là, c'était trop bien Beyblade Metal Fusion. Beyblade, Beyblade, hyper vitesse. Nanana, 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 mama, mama, nanana. Et mais comment ça là? Pourquoi j'arrive plus à esquiver maintenant? Qu'est-ce que tu me fais? Mais pourquoi j'arrive plus à esquiver? J'étais censé esquiver là. Bon, bah laisse tomber. Laisse tomber, ça sert à rien de l'attaquer lui. De toute façon j'ai dit que ça servait à rien de le combattre. C'est juste pour satisfaire mon ego, de pas avoir l'impression d'avoir fui devant un Linel. Oh regardez, il y a un oiseau qui vole. C'est bizarre dis donc. Attendre le bon moment. Quoi, tu vas me dire que je vais devoir attendre, c'est ça? Dernière flèche électrique. Bah d'accord, on va relancer une flèche de casse quand même. Une flèche spéciale, je l'utilise pour rien avant, franchement. Bonjour toi. Oh, c'est le meilleur personnage du jeu, j'ai reconnu avec sa voix. Oh, c'est alors, c'est bien la première fois que je vous vois, vous. Enchanté, futur monsieur le client. Je me présente, je m'appelle Tilly. Oh, ça c'est bien, tiens. Quoi, vous n'avez pas assez de rubis? On va vendre tout ça, ça sert à rien. Ouais, maintenant je vais acheter le reste de tes flèches. Bah c'était bien cool tout ça, mais bon, nous, faut qu'on y aille. Oh, on va pouvoir faire la cuisine, comme les femmes. Le gros champignon, comment il tient dans notre poche ce gros machin là, il fait ma taille. Oh, il se passe quoi là? Oh. D'accord. Bon, pas très intéressant finalement. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Une statue? Toi qui as surmonté les épreuves et obtenu les emblèmes du triomphe, on parle à la statue là? Je vais t'offrir plus de puissance. Si tu souhaites, je peux t'offrir plus de puissance contre... Ok, bah donne-moi un cœur en plus, ouais. Oh, c'est un réceptacle de cœur. Et voilà. Incroyable, non? Un cœur en plus, vas-y. Va y ramener la paix en Hyrule. Ok, moi, ref. Oh, il y a des flèches. Prendre ça. Oui, j'achète tout. Ici, 100 rubis, let's go. Ah putain, pourquoi j'ai utilisé mon argent là-dedans? Je suis trop con. D'accord. On peut regarder chez les gens comme ça. On peut regarder leur intimité et tout. C'est bien. J'aime bien ce village où la vie privée n'est pas privée. Bonjour, vieux monsieur, comment ça va? Tiens, tiens. Un visiteur. Mais. Oh! Cette chose que tu portes à la ceinture. Serait-ce? Mais où sont mes manières? Excuse-moi, jeune homme. Je m'appelle Kai. Je suis le chef du village Piaf. Ce dispositif que tu portes à la ceinture, c'est la table de Cheka, n'est-ce pas? Nom d'un petit oiseau. Mais alors, tu es donc un prodige, comme le grand Rivali. Pourtant, c'est impossible. Les prodiges ont tous péri il y a 100 ans. Ce garçon doit être l'un de leurs descendants, héritier de la table de Cheka. Héritier du prodige, j'ai à te parler. Serais-tu disposé à m'écouter? J'aimerais que tu arrêtes les créatures qui survolent le village, Vamedo. Il n'y a qu'un seul moyen d'arrêter une créature divine. Un prodige doit entrer à l'intérieur et en prendre le contrôle. L'un des vaillants jeunes piaf dont je te parlais, Teba, veut entêter sa chance contre Medo. Si vous unissez vos forces, vous viendrez à bout de Vamedo. Pardonne-moi, j'écoute ta conversation que tu as eue avec notre chef. Comptes-tu réellement aider mon époux, Teba, à repousser Medo? Mon époux s'est rendu à la zone d'exercice de haut vol. D'habitude, nous accédons à la zone d'exercice en nous envolant depuis la place Revali. Maintenant, Medo nous tire dessus dès que nous nous élevons haut dans le ciel. Oh! Ah, du coup, on a un souvenir. Oui, j'avais pas capté, mais... Oh! Oh là là! Quel BG! Alors? Ça t'a plu? C'est pas toi qui pourrais faire ça, hein? Ah, c'est un connard en fait, je l'aime pas. Ce qui veut dire
qu'il n'y a pas meilleur candidat que moi, Revali. Autrement dit, le plus grand archer du peuple Piaf pour affronter ce monstre et lui régler son compte une bonne fois pour toutes. Et malgré ça, ouais. Je devrais me contenter de rester à ton service. Est-ce que je t'ai mis en colère ? Si tu veux qu'on règle ça en combat, ça peut s'arranger. Voyons voir. Voilà, il veut faire la guerre, lui. Nous affronter là-haut. Ah non, suis-je bête ? Tu ne peux même pas monter sur la créature divine sans mon aide. Pouf, ça a envolé. Il est parti. Quel fils de pute, hein ? C'est là-bas qu'il faut que j'aille, c'est ça ? Mais je vais avoir froid là-bas. C'est ici qu'on s'habille ? C'est ici qu'on s'habille. Ça vaut quoi ? 1000 rubis, ok. 600 rubis, ok. 555 rubis. Il me faut de la thune, là. Oh là là, j'ai pas une thune. Eh bah, let's go. Allez, on va commencer à vendre tout ça. Mais oui, mais je me suis gouré. J'ai acheté des flèches comme un con. J'ai utilisé mon argent, j'ai pas réfléchi. Ah ouais, mais j'ai rien sur la tête, en fait. Oui, mais ça coûte 1000, fais pas chier. Lit disponible. Let's go, les lits qui sont disponibles. Ah ! Je passe à travers les drapeaux, c'est quoi ce monde de fou, là ? Ah, c'est bon, on y va. Let's go. Froid est intense. Il est intense, le froid. Je dois en acheter deux des trucs. Tu te fous de ma gueule ? De toute façon, on peut se téléporter ici à tout moment, en fait. Donc, un endroit où on peut faire de l'argent facilement. On peut faire de la thune au village Cocorico, vous pensez ? Oh, merde. Du coup, on est pauvre, en fait. Ah, moi, c'est bien caché, mais moi, je sais bien trouver. C'est cool. Qu'est-ce que t'as, petite ? On va manger des veloutés de légumes tempo ce soir. C'est très nutritieux, très bon. J'ai besoin d'une seule carotte tempo. Oh, mais ça coûte 16. C'est cher. 5 carottes tempo. Merci, merci, merci. Gros, merci. Tiens, c'est pour toi. C'est mon cadeau. Donc ça servait à rien, d'accord ? Mes cocottes, mes merveilleuses cocottes douveteuses, elles ont disparu. Maintenant que ma femme a quitté notre foyer, ces majestueux volatiles sont toute ma vie, tu comprends ? Je vais les chercher. J'ai 10 cocottes en tout. Oh, 10 ! Je t'en prie, ramène-les au sein. 10 ! 10 cocottes ! Mais moi, je vais pas lui ramener 10 cocottes. C'est taré, le mec. Je suis même pas sûr de pourquoi je fais l'émission 8-8-8. Quoi ? Nono, quand est-ce qu'on mange ? Je m'ennuie. Bah, je joue pas avec toi, non ? Casse-toi. Tu me vas me payer pour jouer avec toi, je suis pas sûr, non ? Ouais, ta dernière cocotte, mon ref. Link ! Mes jolies cocottes ! Elles sont toutes de retour ! Je ne sais vraiment pas comment te remercier. Tiens, prends au moins ça, je t'en prie. Tout ça pour 50 boules ! Putain ! Si seulement ma femme pouvait revenir elle aussi. Il me faut 1000 dollars, là. C'est pas avec ça que je vais faire... Au pire, on peut pas préparer des plats et leur vendre. Ouais, on va faire des plats, on va tout vendre, je pense. Il pleut ici, j'aime pas la pluie. On se téléporte autre part, on va se téléporter ici, tiens. Ah là là, j'ai trouvé. Donc, on fait un truc avec des pommes. Hop, hop, on passe. C'est quoi ça ? Chutney de fruits, ok. C'est parfait. Non, on va faire cuire des grenouilles, hop, et un gland. Ça fait quoi ça ? Oh. Hop, 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 on va faire un truc plein de piments. Ouh là là, c'est un truc mexicain, ça se voit. Truc qui pique beaucoup. Et qui a résistance au froid aussi pendant 12 minutes. C'est pas faux, j'ai pas vraiment besoin d'une autre tenue supplémentaire finalement. Ça fait pendant combien de temps ça ? Pendant 7 minutes 30. On va sauvegarder ici, mais en fait on va essayer d'y aller sans acheter la tenue finalement. J'avais pas pensé au piment. Ça, on est tranquille pendant 12 minutes. Ah bah c'est juste là en plus, c'est simple. J'ai affaire, ne viens pas me déranger. Je veux t'aider. Tu te présentes ici. Tu es au courant pour 20 médos. Est-ce le chef ou ma femme qui t'envoie ? Dans les deux cas, tu m'as trouvé, étranger. Je suis bien Théba. Et toi, qui es-tu ? Pour arrêter Vamedo, il faudra l'attaquer de l'intérieur. Tu es vraiment prêt à te lancer dans une entreprise aussi périlleuse ? Ouais, let's go, j'ai déjà fait un éléphant là. Un oiseau, c'est pas mer à boire. Si tu te jettes sur elle comme un fou, tu ne seras rien de plus que de la vulgaire chair à canon. C'est pourquoi je dois d'abord te mettre à l'épreuve. Voyons comment tu t'en sors dans cet exercice d'entraînement piaf. Tu vas devoir te diriger habilement pour détruire 5 cibles en 3 minutes. Ça va être bien. 2, 1. Hop là. Je sais que c'est pas mal. Je fais rien, jamais rien de mal. Moi, je suis gentil dans l'histoire. Hop là. Hop là. Hop là, parfait. Tu as dû en traverser des épreuves pour arriver à un tel niveau. J'en sais rien, moi j'ai perdu la mémoire, qu'est-ce que tu me dis ? Bien, on dirait que l'heure est venue. Allez, grimpe. Et voilà. On s'envole. Wouhou ! Vamedo est juste là. Ouh là là, il fait un bouclier. Tu vois ces canons ? Tu vas devoir les détruire avec tes flèches explosives. Passe devant, là, j'ai failli lui exploser la gueule. Oui, bah j'ai remarqué qu'elle me visait, je suis pas con. T'en fais pas. Là, pouf, il est mort. Il est mort. Hop là, c'est fini, là. Eh ouais, parfait. Let's go. Et son bouclier disparaît. Parce que, voilà. Par contre, oh là là, il est tout noir. Tout dégrillé, là. Qu'elle m'a eu avec ses tirs de canon. Oh, poste bleu.
Trop bien là. Hop là. Mettez le petit poste bleu. Tiens. Oh. Et qui voilà? Je savais que tu viendrais. Eh ben, c'est bien de savoir. Mais tu ne manques pas de culot de m'avoir fait attendre plus de 100 ans. Eh ben, écoute. J'imagine que tu es venu reprendre mes dos à Ganon. Ouais. Pas comme si je voulais te revoir. Hein. Alors va chercher la carte. Il me reste 9 minutes. En vrai, je dois me dépêcher pour le faire, lui. Donc là, on a 10 minutes pour tout faire, c'est ça? Trouver la carte de la créature divine? Ouais, plus ou moins. Fais comment pour y aller là-bas? Attends. Je peux bouger les ailes. Hein. Hop là, c'est bon. On va y aller comme ça? Mais oui, ça a l'air d'être la bonne solution. Regardez. Hop là. Il me reste que 3 minutes déjà pour tout faire. Là. Donc là, on redescend. Ouais, let's go. Let's go, let's go. Ah, t'es où là? Hey, tu fais attention toi. Tiens-toi bien, ça va y aller d'un coup. Ah. Bon, en vrai, ça me ficherait la trouille de faire ça en vrai. Ah, je me chierais dessus. Je vais devoir retourner chercher des piments après, je crois. Donc, je dois faire quoi là? Oh non, j'ai froid, fais chier. Bah, on va manger ça. Ah, ça là, il va y aller fort, il va ouvrir la porte. Ça, non? Voilà, c'est ça. Bon. Du coup, là, il y en a deux ici. Espadon au 38. Oh! Oula! Ah oui, bah toi, tu dégages. Il ne reste plus qu'un seul terminal de contrôle. Allez-y. Allez, tu y es presque? Tu y es presque. En tout cas, je suis impressionné. Bah, c'est bien pour une fois. Pouf! Et bah, si, c'est parfait. Bon, il nous reste 30 secondes pour faire le boss. Vous pensez qu'on va avoir le temps? C'est où ils sont? Oh, il y a un coffre là, je m'en fous. J'ai juste leur piqué leur coffre. 5 flèches en bois, toujours mieux que rien. Alors, regardez là, tous les piments qu'il y a. Hop là. 1030, parfait. Ouais, et du coup, on va manger ça. Mmh. C'est parfait. Or, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh là 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 là. Du caca partout, encore comme d'hab. Bah, il est tout noir, oh, il est tout dégueulasse, hein, comme d'hab. Hein. Comme les autres, j'ai envie de dire finalement. Ombre devant de Ganon. Méfie-toi de cette créature de Ganon. Ok. Moi, j'ai manqué de vigilance il y a 100 ans. Ok. C'est une erreur qui m'a coûté la vie. Ouais, t'es mort, c'est bien fait pour ta gueule. Toi me venger. Tu m'entends? Oui, je t'entends. La musique est un peu plus forte que ta voix, mais je t'entends. Voilà. Let's go, je suis caché. Hop, hop, hop. C'est tout? C'est tout, juste comme ça? D'accord. Bah, let's go. Hein. Il est où? Mais frérot! Vas-y, en plus, il se met au bord du machin là. Il a peur de moi. Hein. Allez, c'est ça. Mais putain, il arrête pas de s'échapper. Je lui donne un coup, il s'échappe. Allez, voilà. Bon. Oh là là, c'est compliqué. Il a regagné toute sa vie là. C'est quoi ça? Elle peut aussi attaquer depuis un angle mort. Alors reste bien sur tes gardes. Très bien. C'est quoi ces trucs là? J'ai rien compris à ce que c'est ces trucs. Je sais pas, je cours et je bombarde de flèches. J'ai rien compris ce que c'est ces trucs là. Les trucs qui volent là, ça me fait peur. Je la bombarde de flèches. Je sais pas, moi je fais tout péter. Je comprends rien du tout, juste je la fais tout péter. Elle me fait peur avec ces trucs qui volent là. Je vais juste tout péter. J'ai paniqué, j'ai explosé la gueule, c'est tout. Le combat le moins digne de ma vie. J'ai rien compris, il y avait des tourpilles qui volaient là, ça m'a fait peur. C'est bon, il est mort? Bah, il est mort, on a gagné, trop fort. On aura eu besoin de 11 piments. Oh le cœur! Oh, le cœur qui vole! Unité principale activée, il vous sera impossible de retourner à l'intérieur. C'est pas grave, j'en ai à foutre de l'intérieur de ce piaf à la con, là. Si c'est pour revoir le fantôme de l'autre enculé. Pas mon non! Truc. Ne me dis pas que tu as réussi à la vaincre! Ah bah si, j'ai bien défoncé sa gueule. C'était super facile. J'ai paniqué, j'ai tout explosé, mais... Une récompense est de rigueur, j'imagine. Je vais t'offrir le pouvoir des courants ascendants. La rage de Révali est maintenant tienne! Ouais, let's go. J'ai un pouvoir qui porte le nom de ce déchet, c'est ça? J'espère qu'on va pouvoir faire le loup pour les blazer avec ça là. Maman. Et ne me remercie pas, surtout. Ah bah oui, t'en fais pas, je vais pas te remercier, t'as servi à rien. C'est moi qui ai dû faire ton propre travail là. J'ai dû éliminer ton propre boss. Normalement, c'était un boss chacun hein, et ils sont tous morts. Comme des nuls. Les prodiges, là, ça sert à rien. Moi, je dois me taper tous les boss, les 5 boss là. Mais en plus, il est tout pourri. Je l'ai eu qu'avec l'arc et son arme de prédilection ou à l'autre piaf là, c'est l'arc. Il a aucune excuse pour avoir perdu. J'ai pas fait d'esquive, j'ai rien fait, j'ai juste couru et tiré. J'ai couru pour échapper à ces trucs. Lui en plus, il pouvait voler. T'es avantagé lui en plus. Il arrive sous ma gueule. Hein. Il est tout pourri ce prodige. Oh, la lune, elle est rouge. Oh, t'as beau ne pas savoir voler,
Il est arrivé jusqu'à la créature divine. Et il a réussi là où j'ai misérablement échoué. Et bah oui, tu peux la merde. Tu as gagné. Let's go, on a gagné le jeu. On a gagné Zelda, les gens. Ah mais j'ai oublié, je dois t'offrir une récompense digne de ton exploit. Arc de l'aigle. Oh, incroyable. Et on va voir où est-ce qu'on dormait avant. C'était ici. Donc c'est ici qu'on a passé 100 ans de notre vie, c'est ça? Bon, regardez, il y a même un truc qui nous indique... Oh, j'allais dire qu'il nous indique qu'on a passé 100 ans de notre vie. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il dort... Là, il m'a volé mon lit, ce sale bâtard. Espèce de sale fils de pute. Oh, bon, tu sais quoi? Du coup, pour le coup, et bah voilà. Tu m'as énervé, donc on sauvegarde ici et on y va. Salut. C'est la fin du jeu, les gens. J'espère que vous l'aurez apprécié. Nous, on retourne à l'écran titre. Ah, bah, salut. Et à la prochaine.